commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Mauvaise réponse. La bonne réponse était les deux. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs applications qui viennent tout juste de sortir. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Pensez surtout à vous abonner. Et on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec la route des vins. Très bien, je vous mets en relation avec la route des vins. Bienvenue sur la route des vins. Que veux-tu découvrir aujourd'hui? Le vin blanc ou le vin rouge? Le vin blanc. C'est parti pour découvrir notre vin blanc. Le Condrieu. C'est un vin de la vallée du Rhône composé de vigniers. Il a une belle couleur jaune pâle avec des reflets un peu dorés. Au nez, le vin dégage un parfum intense et exubérant. De belles notes florales comme le jasmin, la violette, la lavande s'expriment avec distinction. Fais encore tourner ton vin dans le verre. Puis, sens-le profondément et longuement. Il y a maintenant de beaux arômes d'abricot. C'est un vin incroyable, gorgé d'arômes gourmands. Les arômes que tu sens sont typiques du vignier. Maintenant, on va passer à la dégustation. Tu es prêt? Oui. Au palais, le vin est sec et onctueux, un effet tactile caressant et enveloppant prend l'ensemble de ta bouche. Cette générosité est typique du cépage vionnier qui offre souvent des profils de goût avec peu d'acidité. Stop. Voilà, donc c'est une application d'un sommelier suisse, Naabo, et c'est vrai que c'est super bien expliqué. Donc bonjour à tous les Suisses qui regarderont cette vidéo. Et vraiment, cette application, je vous la conseille, testez-la, la route des vins. On va lui faire un petit essai avec le vin rouge. Vin rouge. C'est parti pour découvrir notre vin rouge. Le Barossa Valley. C'est un vin australien composé de Shiraz. Il a une couleur rouge intense, presque noire, avec ses reflets un peu pourpres. Le vin dégage un puissant parfum, intense et... Je vous laisse découvrir cette application qui est vraiment magnifique sur les vins. Vous allez voir, testez-la, vous allez en apprendre beaucoup grâce au sommelier de Naabo, un sommelier suisse qui, franchement, cette application vaut le détour à tester. On va tout de suite rentrer dans la deuxième application qui, celle-là, va vraiment vous étonner. Voilà, donc pour cette deuxième application, je vous présente l'application Marmiton. Marmiton qui est très connue dans le monde de la cuisine et notre Google Home en est maintenant équipé. Alors, grand applaudissement et on va tout de suite demander parler avec Marmiton. Très bien, je vous mets en relation avec Marmiton. Rebonjour. Quelle recette vous ferait plaisir? Taboulé. J'ai une recette de taboulé rapide qui demande 20 minutes de préparation et qui a une note de 4 sur 5. Excellent. Vous voulez les ingrédients, les avis, lire la recette en étapes ou lire la recette suivante? Lire la recette en étapes. Pour combien de personnes souhaitez-vous réaliser la recette? 3 personnes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 3 tomates moyennes, un concombre, un oignon blanc épluché, 3 branches de menthe, 100 ml de jus de citron, 2 cuillères à soupe de persil haché surgelé, 1 demi-cuillère de sel, 1 demi-pincée de poivre, 200 g de semoule moyenne. Lorsque vous serez prêt, dites « Commencez ». Commencez. Dites simplement « Suivant » lorsque vous souhaitez passer à l'étape suivante. C'est parti. Lavez, ôtez le pédoncule des tomates et coupez-les en 4. Mixez-les dans un robot. Disposez-les dans un saladier. Pour passer à la prochaine étape, dites « Étape suivante ». Étape suivante. Épluchez le concombre, coupez-le en gros cubes et mixez-le dans le robot. Voilà donc Marmiton. Vous allez maintenant, vous avez vu, pouvoir, grâce à Marmiton sur notre Google Home, avoir les quantités par personne. Vraiment là, je suis super content. En exclusivité, je vous annonce cette application. Elle vient de sortir, c'est énorme.
Franchement, mettez-moi des pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à m'encourager. Ça me donne vraiment le punch de vous faire partager toutes ces vidéos. Et franchement, je suis très content de voir que nous sommes, la chaîne augmente. On est aujourd'hui 7500 abonnés. C'est vraiment énorme. Un grand merci à vous. On va continuer donc pour la troisième petite application. C'est parti, on y va. Voilà donc. Et pour terminer, surtout pensez à vous abonner car je suis en train de vous préparer une nouveauté sur le Google Home. Je suis en train de vous préparer la vidéo. Elle va suivre après cette vidéo. Donc pensez bien à vous abonner. Et on va continuer dans l'alimentaire avec, pourquoi pas, avoir un bon sens alimentaire. Pourquoi ne pas manger bio et pourquoi ne pas parler avec bon sens alimentaire? Parler avec bon sens alimentaire. Ok, je vous mets en contact avec Bon Sens Alimentaire. Bonjour, bienvenue sur Bon Sens Alimentaire, le guide pour bien manger au fil des saisons et vous faire découvrir que manger bio, c'est logique. Vous souhaitez jouer à notre quiz pour tester vos connaissances, savoir où trouver des produits bio à proximité de chez vous? Ou bien écouter notre dernier podcast? Dernier podcast. Ok, c'est parti. À tout moment, vous pouvez dire Ok Google, retournez au menu principal. Pour ce premier podcast de Bon Sens Alimentaire de l'Institut de l'Alimentation Bio, nous sommes allés à la rencontre de Maxime de Rostolan, actuellement à l'affiche du documentaire Revenir au menu principal. Vous souhaitez jouer à notre quiz pour tester vos connaissances, savoir où trouver des produits bio à proximité. Jouer au quiz. Manger, c'est naturel. Mais savez-vous vraiment ce que vous mangez? Mangez-vous bien? Vous allez vite le savoir en jouant avec nous. C'est parti pour une série de 5 questions. Qu'est-ce qui est plus gras? Un hamburger ou une pizza bolognaise? Oui. Mauvaise réponse. La bonne réponse était les deux. Je mène 1 à 0. Nouvelle question. Citez un légume de saison du mois de janvier. Vous pouviez répondre céleri, chou rouge, carotte, citrouille, poireau, chou chinois, simadirapa, pomme de terre, salsifis ou chou de Bruxelles. Voilà donc, parler avec le bon sens, c'est vraiment super génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Montrez-moi ça et surtout, montrez-moi aussi que vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous, c'est important. Vous allez, grâce à votre abonnement, suivre en temps réel les toutes dernières applications qui sortent sur Google Home, les toutes dernières mises à jour. D'ailleurs, je vous en prépare une. Vous n'allez vraiment pas être déçus et vous allez voir que c'est énorme. On va pouvoir faire des choses vocalement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour la prochaine sur Google Home ou une présentation de produit. Salut à tous et à bientôt. Ciao!